Alors, rebonjour. Et dans cette vidéo, là, je voudrais vous expliquer ce que va être le troisième reportage. En fait, ce reportage, il est divisé en trois parties très différentes. La première partie parle du carême bouddhiste. Alors, le carême bouddhiste, je vous garantis que c'est pas du tout, du tout, du tout la même chose que ce qu'on connaît en France et même dans tout l'Occident. Le carême bouddhiste ici, il est beaucoup, beaucoup plus festif. En fait, ce qui est festif, c'est surtout l'ouverture de ce carême. L'ouverture du carême, c'est dans certaines villes, en tout cas, pas partout, mais dans certaines villes, c'est une fête énorme, avec des défilés de centaines de personnes, avec des chars qui ont. Qui portent des statues de cire. Alors, ces statues de cire, d'ailleurs, il y a une vidéo qui est. La première vidéo est totalement consacrée à la technique utilisée par ces sculpteurs pour fabriquer ces statues. Vous allez voir, c'est étonnant, c'est vraiment surprenant. Alors, les autres vidéos vous parleront davantage de. Comment dire, des défilés quoi, des défilés, mais alors ce sont des défilés absolument somptueux, mais vraiment magnifiques. Là, vous allez voyager énormément. Là, vous allez véritablement vous dépayser. Vous allez quitter confortablement assis dans votre fauteuil, sur votre chaise, vous allez quitter l'Europe pour venir en Asie. Ah oui, ça c'est sûr et certain. Donc il y a cette ouverture du carême bouddhiste, et le carême bouddhiste dure 3 mois, 3 mois lunaires, et à la fin de ce carême, il y a la clôture. Alors la clôture se passe en 2 étapes. La première étape, c'est la veille de la clôture officielle. La première étape, vous allez voir, c'est plus simple. Mais c'est étonnant, quoi. C'est vraiment étonnant. Et la clôture officielle, là, c'est une célébration religieuse et festive en même temps. Ça n'existe pas chez nous. Alors, je ne sais pas comment l'expliquer, mais je préfère que vous alliez voir. Bon, ça, c'est donc la première partie qui parle donc du carême bouddhiste. La deuxième partie de ce documentaire. Là, je vous parle d'une journée tamboun. Tamboun, ça veut dire faire une bonne action. Une bonne action, faire un mérite. Et ces tamboun sont très importants pour les Thaïlandais. Ça compte pour la suite. Pour la suite. Je vous explique tout ça dans le reportage. Et la troisième partie, alors là, ce sont des vidéos que vous n'avez jamais vues. Ça, c'est sûr et certain. Elles ont été prises lors d'une retraite des moines bouddhistes, des bonzes de la région de Chaiyapum, un petit peu après la clôture du carême. Cette retraite dure 2 semaines lunaires et c'est un entraînement mental. Pour les bonzes, pour canaliser leurs émotions, leur colère, etc. Alors, ça, vous allez dans ce reportage, vous allez voyager, vous allez vous dépayser, vous allez quitter l'Europe, vous allez quitter l'Europe pour arriver ici en Asie, c'est sûr et certain. Alors, toutes ces connaissances, moi, je les ai acquises avec le temps. Au début, quand je suis arrivé ici, ben, la communication n'était pas facile. Je ne parlais pas le thaï, bien sûr, et les Thaïlandais ne parlent pas l'anglais. Alors, au fil du temps, j'ai appris un peu le thaï, eux ont appris un peu l'anglais, ce qui fait qu'un mélange savant des deux langues, avec ça, on arrive à communiquer. Donc, toutes ces connaissances, moi, je les ai accumulées au fil du temps. Et ces connaissances, moi j'ai très très envie de les partager avec vous. C'est pour ça que j'ai fait ces reportages-là. Voilà. Alors, je
vais continuer à m'expliquer par écrit, parce qu'il y a des gens qui préfèrent lire que de regarder des vidéos. Chacun son truc, hein. Alors, je vais finir d'expliquer par écrit. Et on se retrouve très bientôt, parce que très bientôt je vais mettre d'autres documentaires en ligne. Alors venez souvent, ou laissez-moi encore, ça sera encore mieux, laissez-moi votre adresse mail. Je vous contacterai uniquement quand il y aura de nouvelles vidéos ou de nouveaux documentaires en ligne. Voilà, merci de m'avoir écouté, continuez à lire ce que je vais mettre en dessous. Et à très bientôt. Ça voit des cartes.